Alors, le livre qui, je crois, m'a le plus marqué quand j'étais ado, c'est Nine Stories de J.D. Salinger, que j'ai lu en anglais à ce moment-là, que j'ai relu plein de fois en français et en anglais. J'ai été frappé par la capacité de cet auteur-là à raconter des histoires simples et à nous faire voyager dans le détail et dans l'évocation. Ça m'a montré qu'on pouvait raconter quelque chose sans dire beaucoup. Et pour moi, ça a été vraiment génial. Est-ce que c'est toi qui l'as découvert tout seul ou c'est quelqu'un? C'est un de mes amis qui... En fait, ça traînait chez un de mes amis. Il l'avait lu. Il manquait les deux dernières pages. D'ailleurs, j'ai jamais lu les deux dernières pages en anglais de la dernière histoire. Mais c'est des nouvelles, donc c'était pas grave que la dernière, il m'en manque des bouts. Ça traînait là. Il m'a dit « Lis ça, je pense que tu vas aimer ça ». J'avais plongé dedans, puis ça m'est resté. J'en ai encore une copie chez nous. J'ai peut-être même encore celle de mon ami chez nous. Merci beaucoup. Merci.